Bonjour mes petits camarades. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 octobre 2020. Ouais. Il est 10h, on est parti se balader avec ma petite Alexandra. Donc aujourd'hui, non, pas la voie verte, on fait un petit bout de la Transomoisienne et puis on va partir dans les bois parce qu'on n'a pas envie de mettre nos masques, hein, on s'en fout. Hein. Ouais. On n'est pas zéro. Non. Bon. Donc il y a un petit rayon de soleil là, c'est sympathique, c'est pour ça que j'ai mis les lunettes. Hein. Donc tu les as vus mes yeux? Tu les as vus mes yeux, Alexandra, sans lunettes? Ouais. Avec lunettes, t'as vu ce que ça donne? Ah, ils sont plus là les yeux. Ils sont plus là, ils sont protégés du soleil parce que. Voilà. Quoique non, le soleil s'est caché. Ah, le soleil il s'est barré, il fait. Eh non, nope. Donc on est parti faire un bon petit tour et puis ce midi on verra, on ira manger si c'est ouvert une pizza chez Nathalie et Pierre. Sinon système de merde. Pardon? Sinon système de merde, on mangera des feuilles par terre. Et des champignons, tu m'as dit que t'aimais ça? Non, non. Ah non, c'est ta mère. Excuse-moi. Bon, on se démerdera, il y a toujours à bouffer dans le bois, c'est pas un problème ça. Et puis bah, cet après-midi, on verra selon le temps, bah, on fera peut-être une deuxième rando, hein, parce qu'on ne sait pas ce que M. Macron il va nous pondre ce soir comme message à la con encore. Parce que si on est confiné ou confini, on n'est pas sorti de la berge, comme disait le matelot. Hein? T'es d'accord avec moi? Donc, au moins on se fait notre sortie de mercredi, on ne sait pas si samedi on pourra faire notre... Je sais pas. Toi non plus, tu sais pas. Ouais. Est-ce que tu es dans la tête de Macron? Non. Ah non. Nope. Donc, bah, on profite du jour qui vient. Ouais. Ah. Et demain, ça sera peut-être la merde. Et demain, ça sera un autre jour. T'occupes pas de demain. Pourquoi tu veux te projeter dans l'avenir? On n'en sait rien. Ça se trouve, il va dire c'est fini les masques, tout le monde sort, tout le monde s'embrasse. T'as rêvé. Mais moi, je suis un doux rêveur, c'est possible. Donc voilà, on est parti faire un bon petit tour. Allez, allez. Tout à l'heure. À tantôt, hein. À tantôt, comme on dit en Belgique. Ah oui. Très bien. Voilà. Nous sommes en balade. Voilà. Nous sommes en vadrouille. Et on a déjà trouvé un beau petit torrent là. Hein? Bah, t'as pu tes lunettes, Alexandra? Tu vois clair maintenant? Non, il y a des gouttes d'eau. Des gouttes de quoi? Des gouttes d'eau. Une goutte d'eau? Ouais, elle m'est tombée du ciel. Bon, et puis alors, ça fait quoi? Bah, ça fait que. Bah, du coup, va falloir que j'aille nettoyer mes lunettes. Veux-tu un petit mouchoir pour les essuyer? Non, j'attends qu'elles soient dans la voiture, il y a les trucs... Ouais, donc les mouchoirs de papy, tu t'en fous? Voilà. Papy, tes mouchoirs, ça va me foutre encore une espèce de boue sur mes lunettes? Ouais, ça va faire comme la vitre de la voiture avec des petits morceaux de boue. Et c'est beau, tu vois, moi je les vois les gouttelettes d'ici, attends. Il y a un peu qui m'agresse. Ah, ça va bien, les gouttelettes, je les vois. Ah oui, on les voit bien, il n'y a pas d'essuie-glace? Non. Ah, c'est con ton truc. Ah ouais. Bon, on continue? Ouais. Toujours le même jour, le 28. Oui. C'est la seconde marche de l'après-midi. On a mangé, c'était bien, hein, oh ouais, c'était chez bon. Nos amis à Rocroi, chez Sarah et Joe. Un bon hamburger, t'as encore mangé, mais c'est phénoménal ce que t'as pu avaler. C'est malheureux que je t'ai pas pris en photo ou en film. Elle est impressionnante à table, ma petite fille. Elle a fini même ma gamelle à moi. Hein, c'est ça? Ouais, ouais. Ou c'est le compteur, je sais plus. Je sais pas. Peu importe.
Donc c'est la seconde marche de cet après-midi. On est entre Rocroi et Fumet, dans un endroit que j'aime bien. Et on va faire une balade avec Alexandra dans un endroit qu'elle ne connaît pas, qu'elle va découvrir avec moi cet après-midi. Il faut quand même qu'on digère tes putains de frites, ton putain de hamburger que t'as avalé. Ouais, il n'y en a que là. Ouh. On peut plus là. Oh, je suis remplie là. Est-ce que tu comprends ce que c'est que d'être enceinte? Le début. Donc t'es enceinte d'un hamburger. Ouais. Je vais pas l'accoucher dans la forêt, non. Tu vas coucher dans la forêt? Non, je vais pas l'accoucher dans la forêt. Je vais l'accoucher à la maison, avant de dormir. C'est ta mère qui va être contente. Ouais. Bon, et comme il est convenu de dire, c'est parti, mon... Kiki. Plus fort. Kiki. Plus fort. Kiki. Voilà. Et les sangliers, ils nous ont entendus. On est où, papy? Tu vois bien, route forestière du faux cul. Bon, et ils ont pas tout marqué. Ouais, en fait, il y avait pas la place. Donc il manque un trait d'union et CUL. Mettons que je l'ai caché. Route forestière du faux cul. Voilà. Donc tu la connais pas cette truc. La bonne heure, donc on va la prendre. Tu vas voir ce que c'est qu'un faux cul. Ouais. C'est parti, bon. Kiki.